Allez, attention pour nous. Nickel pour le... On y va. Oui, d'accord. Ok. C'est très drôle parce que Rock, il y a une dame qui t'appelle depuis tout à l'heure, Rock, et qui dit Monsieur Voisin, Monsieur Voisin. C'est Rock Voisin qui s'appelle. Monsieur Voisin. C'est tant que ça. Mais toi, tu changes. Mais Monsieur Voisin, c'est mon père. Moteur. Allez, attention, bien fort pour nous, on est compte. C'est normal le ventilateur là-haut, donc là, ils sont un peu habités, donc bien inventé, Pascal. Un peu. Bien ventilateur, pardon. Je disais en tout cas. Applaudissements, s'il vous plaît. On n'oublie jamais ces premiers amours, puis ces premiers dieux quand on est chanteur. Encore une fois, c'est parti 3-2. Attention, applaudissements, s'il vous plaît. On n'oublie jamais ces premiers amours, ni ces premiers dieux lorsqu'on est chanteur. Il a été le premier artiste confirmé à chanter avec Grégory à la Starac. Tant pis, c'est le tube qu'ils avaient fredonné, chanté à l'unisson ce soir-là. Rock Voisine est avec nous ce soir, il est venu de loin pour l'interpréter. Tant pis, Rock Voisine. Pour rien de beau.
ce soir. Il célèbre à sa façon, avec le petit coup d'œil à l'adresse, le bord de Guido Marchal. Et il soutient aussi l'association Guido Marchal. Bonsoir. Bonsoir. Très plaisir de vous avoir parlé. Regardez. Le génie qui salue. Est-ce que vous vous souvenez de l'instant de votre rencontre avec Guido Marchal? Oui, je me souviens, c'était un chanteur exceptionnel. On ne connaissait pas beaucoup l'époque, bien entendu. Hein, c'était les débuts de l'émission. Ça m'a bouleversé, ça m'a un peu surpris. Un jeune comme ça chanter aussi bien, c'est un peu grand, c'est bonne technique. Il s'adaptait vite parce que c'était son premier duo. Est-ce qu'il était traqueur? Est-ce qu'il était plutôt joueur? Comment ça s'est passé? Je me souviens pas s'il est. Il a sûrement dû avoir le track un peu, parce que c'est sûr que la première fois qu'on chante avec quelqu'un de connu, ces participants-là, on a énormément de pression. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est pas toujours évident de faire ça. Et ça va, et c'est en direct, et c'est pas évident. C'est très bien passé, très beau souvenir. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il est sorti après la chanson, il était de voile. Mais j'ai chanté avec grande voisine. Il en était fier que vous lui aviez donné ce bonheur. Être champion, c'est bien sûr et avant tout la musique, mais aussi la promesse interviewée. Toutes sortes de figures imposées que vous connaissez bien, mon cher Rock. Alors Grégory s'y prêtait avec beaucoup de bonne humeur et avec sa spontanéité. C'était un blagueur aussi, Grégory, avant toute chose. Il riait, il aimait la vie. On repasse le fil de tous les moments jusqu'à la consécration des Energy Music Awards. C'est le parcours de Grégory Lemarchand.